Alors, je voudrais vous raconter une histoire et je voudrais vous emmener dans le désert du Nevada, aux États-Unis, où on a construit un temple de 60 mètres de large, de 20 mètres de haut, avec 120 bénévoles qui sont venus pour partager leur histoire personnelle. Et voilà, je vais vous partager cela et je vais vous emmener un peu partout, parce que c'est le résultat d'une approche qui m'a changé au fil du temps. Voilà mon bureau à Londres. Où je suis depuis 16 ans. Voilà notre machine, on a plein de machines. C'est une imprimante 3D géante. Et contrairement au bureau d'architecture où il y a des ordinateurs, nous, on a plutôt des objets qu'on produit à l'échelle réelle. On partage, on a un peu cassé les lignes habituelles. Voilà des ingénieurs, des domaines pluridisciplinaires. On réfléchit à la ville de demain, une ville qui peut-être peut s'assembler et peut-être se désassembler, comme dans la nature. Voilà une vision d'un bâtiment qui pourrait peut-être changer notre conception permanente des bâtiments. Alors, pour faire cela, il faut réfléchir, il faut surtout avoir beaucoup d'outils et beaucoup de curiosité. Donc, cette méthode encourage la curiosité. On a fait un robot qui, là, est exposé à la Tate Moderne à Londres et qui est fabriqué entièrement dans notre Fab Lab. Donc, on a un Fab Lab qui s'appelle le Fab Pub, dans lequel toute la communauté peut venir et construire des choses. Et on encourage cette créativité et on se dissout un petit peu dans la communauté pour essayer d'aider à voir la vision de demain. Voilà, Burning Man dans le désert, je ne sais pas si certains d'entre vous s'y sont allés, mais c'est un endroit où on peut lâcher prise des conventions, lâcher prise des règles et inventer, réinventer les bâtiments, réinventer la notion de ville, puisque chaque année, la ville se recrée. Donc cette approche a grandi peu à peu, et je vous raconterai comment est-ce qu'on a fini par construire cet impossible, disons. On a défié l'impossible petit à petit, donc je dois vous raconter cette histoire. Mais voilà le bâtiment presque fini, puisqu'au final, ce bâtiment n'a jamais été vraiment très fini, et il continue jusqu'à aujourd'hui, où je vous raconte cette histoire. Voilà, donc j'ai eu mon diplôme en 2008, pendant la crise de 2008, que vous avez sûrement vécu comme moi. Sauf que moi, c'est le moment où j'ai eu mon diplôme et je devais aller trouver un travail. Pas facile, mais mes parents m'ont éduqué avec des valeurs. Voilà, mes parents, des hippies des années 70. Mon père, il a déménagé de Tunisie pour venir à Sarcelles, dans la banlieue parisienne, et il me racontait que tous les matins, il prenait son scooter pour aller étudier l'informatique à Jussieu. Et c'est là qu'il a rencontré ma mère, une attachée de presse pour un groupe de rockstars. Et ensemble, ils ont partagé une passion de comment réconcilier l'informatique et l'environnement, ou l'humain et le technologique. Et c'est un peu ces valeurs qui ont continué dans mon travail. Et c'est vrai qu'au final, l'architecture, c'est beaucoup de choses. Et les catégorisations, peut-être, ne s'appliquent pas toujours quand on réfléchit à l'architecture des choses. Donc voilà, j'ai commencé comme j'ai pu. Je faisais des vitrines à Londres. Et voilà, par exemple, un exemple d'architecture paramétrique, c'est-à-dire que les paramètres définissent ce qui se passe dans ce tissu. Donc à la place de réfléchir à des concepts dans mon esprit et je les dessine et je les donne, c'est plus on fait grandir ces projets, on les laisse émerger, on les laisse venir du bottom-up, on dit en anglais, c'est-à-dire pas le top-down, c'est-à-dire ça vient pas du haut, ça vient du matériau, ça vient de notre compréhension de ce que le matériau peut faire, la compréhension de la machine. Et vous voyez, j'essaye d'accéder comme ça et je pense qu'avec cette approche, puisqu'on est les makers de son projet, on apprend un peu à dessiner avec ses contraintes. Donc je pense que cette approche pousse à dessiner plus dans une sorte de vide, mais dans une sorte de compréhension de la réalité. Donc voilà, je vous montre des projets qui se sont faits après cette première vitrine, qui m'a un peu donné une vitrine d'une certaine manière. Voilà par exemple un projet fou, Virgin Galactic nous a demandé de faire un hôtel dans le désert pour les astronautes avant qu'ils partent. Et je me rappelais de cette technique quand j'ai appris l'informatique avec mon père. Ça s'appelait Logo. C'était une petite tortue qui avançait comme ça. Et puis on lui disait d'avancer, de tourner, d'avancer, de tourner. Et on l'a laissé tourner, etc. Et ça créait des formes presque naturelles. Des formes que je ne pouvais pas prévoir, en fait. Donc les formes s'auto-généraient.
Et donc, ça change vraiment la conception du créateur, puisque le créateur, d'habitude, il a des visions qui lui viennent du ciel, et c'est un génie, etc. Alors que là, c'est pas du tout, c'est une petite tortue qui se balade. Et alors, je leur ai montré ça, et c'est devenu un projet qui est vraiment à la base de ce qu'on a fait à Burning Man, une approche où on lâche prise. Et c'est à peu près à cette époque-là que j'ai commencé à me familiariser aux technologies de l'impression 3D. L'idée que le robot peut être connecté à cette petite tortue. Le fait qu'on pouvait envoyer des lignes et les fabriquer directement, et les envoyer à des machines. Donc cette approche a beaucoup permis de comprendre comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, avoir une approche un peu plus environnementale si elle est un peu plus globale. Alors, je vais vous expliquer, par exemple, au travers de ces deux concepts, le concept de berceau à berceau, cradle to cradle en anglais, qui se rapproche de l'idée du cycle de vie des matériaux, c'est-à-dire qu'on utilise un matériau qui vient du sol et qui repart vers le sol. Et ce matériau qu'on a utilisé, ça s'appelle le bioplastique, c'est du sucre fermenté. Et voilà, on l'a utilisé dans un projet, par exemple, qu'on a fait ici pour COS, la marque de vêtements, et on a été dans un palais. Donc, je vais vous emmener dans le désert, mais ça commence ici, dans ce palais. Voilà, donc on a réfléchi à une sorte de concept de modularité qui a permis d'entraîner tous les Fab Labs qui étaient autour du site. Et du coup, on envoyait notre code, et le code était fabriqué sur place. Donc, c'était un défi phénoménal, puisque c'est un des projets les plus grands jamais imprimés en 3D. Mais j'étais, bien sûr... habitué, je pense, au défi, parce que voilà une ville qui est par elle-même un défi constant, puisque chaque année, elle suit ses 10 règles, règles d'inclusion radicale, d'économie du don. Il n'y a pas vraiment de commercialisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé, on doit lever les fonds de nos projets. L'idée d'autonomie radicale et d'expression personnelle radicale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spectateurs ou d'artistes, on est tous des artistes, on peut tous faire quelque chose, on peut tous réinventer cette ville, et on ne leave no trace, on ne laisse aucune trace, nulle part. Et donc, c'est vraiment un projet qui, au début, je ne m'en rendais pas compte, hein, ben maintenant ça a l'air de faire tellement de sens, mais ça, au début, je me disais, c'est marrant, c'est vraiment proche des valeurs qui étaient propres à l'architecture que je faisais, aux valeurs de mes parents. Et voilà, donc un de nos premiers projets, Tangential Dream, les rêves tangentiels, qui est un projet poreux, qui invitait les gens à écrire sur ces tangentes, des tangentes qui créaient une sorte de mouvement et qui invitaient à la contemplation et surtout à une sorte de vandalisme positif, puisque les gens étaient encouragés à écrire, à monter, vraiment. Et puis, au final, ce n'était pas que les gens qui utilisaient le bâtiment, c'était aussi les gens qui le construisaient. Donc, on a invité plein de gens. J'ai invité mes amis, j'ai invité, et encore une fois, je vous inviterai tous. on va essayer. Mais voilà, donc le bâtiment ne se commence pas quand il est ouvert. Il se commence dès la construction, dès l'implication de la communauté. Et Burning Man m'a fait un énorme honneur. J'en crois toujours pas mes yeux. Mais ils m'ont dit, est-ce que tu voudrais construire le temple ? Alors, le temple, c'est un espace qui est très important. C'est le petit cercle qui est tout à la fin, à l'opposé de l'arc de cercle. Et c'est un espace spirituel. Alors, l'idée d'un espace spirituel est peut-être troublante, parce qu'on l'associe souvent à la religion. Mais ce qui m'avait beaucoup touché, moi, c'est que ce n'était pas un espace religieux. Il n'y avait pas forcément le dogme d'une religion associée. Et pourtant, j'y suis allé avec ma femme. Et on a pleuré, on a complètement pleuré. C'était la première fois que je ressentais ça dans un bâtiment. Et donc j'ai voulu exprimer ces émotions. J'ai voulu exprimer l'idée qu'on puisse avoir un espace dans lequel c'est OK de ne pas être OK, d'une certaine manière. J'ai eu plusieurs dépressions, j'en ai assez souffert, et je n'ai jamais vraiment ressenti le fait que je pouvais le partager. Et c'est vrai que ce projet m'a aidé à en parler, m'a aidé... À le communiquer à l'équipe, à leur dire, et pas qu'à l'équipe, à la communauté. Et quand on partage ses émotions, quand on partage sa vulnérabilité, c'est dur de le dire, vulnérabilité, les gens le partagent en retour. Et voilà, donc vous voyez, par exemple, les petits cœurs qui sont autour du temple, c'est un homme qui faisait des tampons de cœur tout autour, et je m'en suis rendu compte que quand j'ai vu cette photo,
Mais c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, et c'était pas la seule chose. Les gens, encore une fois, écrivaient partout. C'était à eux. C'est-à-dire que le temple était à eux. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient débarquer, danser, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Il n'y avait aucune contrainte dans cet espace. Et au milieu, il y avait ces larmes que je pensais pouvaient représenter la fragilité de chacun, et ce qui m'a permis peut-être de communiquer cet esprit. Des larmes qu'on a imprimées sur place, la technologie d'une certaine manière nous a permis de réaliser ce rêve, mais d'une certaine manière, au fond, c'était les gens. C'était les gens qui nous permettaient d'assembler ces éléments qui, au final, étaient assez complexes. Mais cette complexité avait de sens qu'avec eux. Et donc, il y avait une communication constante. Et ils me disaient qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. Et je vous donne deux, trois exemples. Voici, par exemple, le module qu'on ferme tous ensemble. Ça donne un peu une idée de l'échelle. On en avait à peu près 400 pliés comme ça. Et voilà, donc il y avait une sorte de satisfaction avec le temps. Donc, on commence avec le morceau de bois qu'on forme en triangle, qu'on forme en espèce d'origami, qu'on plie. Et donc, il y avait dans la durée cette espèce de courbe de compréhension. C'était un projet phénoménal. Enfin, en termes de taille, vous pouvez voir qu'un de ces éléments que je vous montrais dans la vidéo, c'est un des éléments de la grille. Juste pour vous donner une idée de l'échelle, et bien sûr des tempêtes de sable, et des moments vraiment magiques. Voilà, c'était vraiment difficile, j'ai eu des crises de panique, je ne savais pas si j'avais les épaules de le faire, et j'étais, bien sûr, je n'avais pas l'argent pour le faire. On a fait des fêtes, on a fait des levées de fonds, mais à un moment, il me manquait à peu près 300 000 dollars, et j'étais complètement... voilà, j'avais rendez-vous avec la banque pour faire un prêt, parce que je ne savais pas comment lever le reste. Et je me suis dit, je vais envoyer des emails et je vais communiquer mon problème. Et je l'ai envoyé comme ça, j'ai tenté tout, hein, la communauté, mark@facebook.com et tout ça, les gens que je pensais qui allaient écouter le message. Et il y a Sergey Brin, le fondateur de Google, qui m'a répondu en une heure et qui m'a dit, OK. En honneur du fondateur de Burning Man, qui malheureusement était décédé juste avant, je vais couvrir le reste. Un message improbable de recevoir un email pareil. Non seulement ça, mais il est venu me voir, il arrive pendant qu'on construisait tous, donc il faut savoir que le site est énorme, et il arrive comme ça, et dans l'équipe, je veux dire, on avait de tous les domaines, on avait même un SDF, quelqu'un qui avec qui on avait aidé à le faire venir, parce qu'il ne pouvait pas se permettre le ticket et tout ça. Et je vois donc cette SDF, homeless, on dit en anglais, qui arrive avec un magicien, voilà, un mec habillé en magicien, et puis on se dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il met un casque, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il court vers moi, et il me regarde, il dit, « Hey Arthur, it's Sergey !» Et quand on s'est rendu compte, il y a quelqu'un qui lui a mis un casque, qui lui a dit, « Ouais, ton cerveau est précieux, fais gaffe que c'est... » Et il me dit, ouais, mais vas-y, elle est où la perceuse? Vas-y, on y va. Et bon, c'est un peu cette magie que je voulais communiquer, c'est-à-dire que quand on a un projet commun, qu'importe d'où on vient, qu'importe de ce qu'on fait, qu'importe son statut, on était tous pareils. On était tous pareils, on faisait tous la vaisselle, on faisait tous les toilettes dans le même endroit pourri où il fallait... Et il y a un côté démocratique dans la construction, un côté universel d'une certaine manière, qui nous a poussé à créer quelque chose qui, au final, était lui aussi à vocation universelle. Donc voilà, ça va de l'infiniment grand aux tâches de dishwashing, de vaisselle. Donc on avait ce quotidien avec des équipes de cuisine, des équipes de tout en fait. Et c'était un petit monde pendant 18 jours. On était dans notre petit monde et on était tellement, tellement satisfaits quand on l'a donné à la communauté. Et c'est ce qu'on a vraiment ressenti. C'était un cadeau qu'on faisait aux autres. Et je me dis, on a fini. Et puis, on commence à entendre comme ça des perceuses, des trucs. Et je dis, merde, c'est pas fini. Et en fait, c'était les autres qui mettaient des trucs, qui faisaient des hôtels et qui communiquaient ces messages qui étaient vraiment, au final, tellement émouvants que c'était dur de ne pas se ressentir en faisant partie comme un élément, un de ces éléments de cette lattice énorme, en fait.
Et je m'y suis marié. Voilà, vous voyez ma mère avec son mégaphone. C'est comme voilà, les années 70, elle s'y est retrouvée. Et voilà, donc c'était une manière aussi de montrer que ce n'était pas que un projet qui, pour faire le deuil, c'était aussi un projet pour le futur, pour un espace qui peut permettre à des moments joyeux, à des rituels. Nous voilà dansant sur All You Need Is Love des Beatles. Et voici mon père que vous pouvez voir ici, tout à fait dans son élément. après, on s'est complètement écroulé. J'ai peut-être dormi sur tout du long, mais c'était aussi ça, le fait de donner. On avait, je pense, mérité de passer du temps à ne plus y réfléchir et à laisser s'apaiser ce projet d'une certaine manière. Le laisser s'imprégner de la communauté, de leurs désirs. Et d'une certaine manière, c'était son rôle. Il connectait ce désert assez plat au ciel, au paysage à côté. Et voilà, on l'a brûlé. Alors, on l'a brûlé parce que ça fait partie de ce rituel de lâcher prise. Et on l'a brûlé parce que c'était construit pour être brûlé. Je ne vous encourage pas à brûler quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'en tant qu'architecte, c'est l'exercice ultime pour oublier son ego. C'est l'exercice ultime pour re-questionner ses créations, pour se réinventer de manière permanente. Et on l'a nettoyé, on a tout mis dans des petits tas, on a tout recyclé pour l'année d'après, pour le temple d'après, pour que l'expérience continue pour les gens d'après. Et je vais vous montrer un projet pour finir, qui est ce qu'on va faire cet été. On va essayer de changer un peu ce rituel et de créer un bâtiment qu'on va construire et puis qu'on va déconstruire. Dans l'esprit de Burning Man, c'est un amphithéâtre fait d'amphithéâtre où tout le monde peut faire sa performance. Et on va essayer de le reconstruire ici. Ici, en Europe, ou presque, à Londres. Voilà le Somerset House, ouais, malheureusement. Comme ça, plus de gens pourront ressentir ce qu'on peut peut-être ressentir là-bas, dans l'esprit d'inclusion radicale. Voilà, donc je vous invite à me rejoindre. Si ça, vraiment ça vous intéresse, on va faire un appel, un appel aux gens pour qu'ils nous rejoignent. Et voilà, je vous invite à réfléchir à cette idée, peut-être que la ville de demain peut-être ne laissera aucune trace physique, peut-être qu'elle se défera, elle se refera autre part, peut-être qu'elle sera un tout petit peu plus sensible à l'écoute des gens, et peut-être au final vous rejoignerez à moi pour essayer de faire partie de la construction de la ville de demain. Voilà, merci beaucoup.